Bon alors, c'est quoi le résultat de mon piège photo dans le jardin? Bon, un chat, un le coin pipi d'un autre. Oh, un petit rouge-gorge! Je vois pas bien ce qu'il a dans la bouche, mais ça a l'air bon parce qu'il est resté un bon moment à faire le beau gosse devant la caméra. Oh, un petit assenteur mouché! Buffon, le naturaliste, les avait surnommés traîne-buissons parce qu'ils se rendent quasiment invisibles quand ils cherchent leur nourriture au pied des arbustes. Revoilà Rodrigo, le petit rouge-gorge. Pas super étonnant, le rouge-gorge, il est connu pour être assez territorial. Donc quand il a un bon spot, il va le squatter. Alors les merles, j'adore. Ils ont été votés plus bel oiseau aux Pays-Bas. Et en voyant son petit bec jaune là, on comprend, il me fait craquer. Ah, et bien évidemment, Rodrigo est de retour encore. Bon, tout ça c'est merveilleux, mais on va changer le piège de place. Moi je veux le hérisson que j'ai loupé. Et cette fois-ci, pour mettre les chances de mon côté, je vais mettre une petite coupelle avec de l'eau. Bah ouais, ça va attirer peut-être les petits animaux qui ont soif. Alors je reprends un endroit avec du passage dans le jardin et on croise les doigts.